Bienvenue, gratitude de vous retrouver pour le yoga Anatman, le yoga du matin, pour bien se réveiller. Une respiration. 1, 2, 3. Nous allons faire un hama dans les pieds. La conscience dans les pieds. Nous allons monter les bras, les mains, et sur la pointe des pieds, nous montons, une grande inspiration. 1, 2, 3. Étirement des omoplates. Ah, gratitude. Et je monte. Inspiration. 1, 2, 3. Contraction des muscles fessiers, des abdos. Les mains, les bras sont étirés par le haut. Inspiration. 1, 2, 3. Et je monte. Inspiration. 1, 2, 3. Abandon. Ah oui, gratitude. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Fixez un point. Au milieu, au centre, en face. Restez concentré sur ce point. Et moins il y a de pensées, plus c'est facile. Moins il y a de bruit, plus c'est facile aussi. Moins je bouge, plus c'est facile. Inspiration. 1, 2, 3. Et je monte. Et je redescends tout doucement. Les bras, les mains se penchent en avant. Inspiration. 1, 2, 3. Et je relâche tout. Inspiration. 1, 2, 3. Un, deux, trois, abandon. Un, deux, trois. Un, deux, trois, abandon. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Un, deux, trois. Un, deux, trois, abandon. J'inspire et j'expire là où ça tire. 1, 2, 3.
2, 3. Et je m'abandonne à la posture et la gravité. Étire le corps. Il y a juste à inspirer, expirer. Et tout doucement, je remonte depuis le bas du dos. Inspiration. 1, 2, 3. Expiration. Les bras, les mains montent, montent, montent. Je ressens bien mes pieds, la plante des pieds sur le sol. Ah oui. Étirement des omoplates du dos. Je monte, je monte, je monte. Ah. Et la posture Anatman, pour ceux et celles qui n'ont pas de problème de cervical. La tête va pencher en arrière. Une des postures des cinq tibétains. Ah. Ah. Gratitude. 1, 2, 3. Ah. 1, 2, 3. Abandon. Ah. 1, 2, 3. Ah. Inspiration. 1, 2, 3. Ah. Et les mains soutiennent le bas du dos. Étirement de la mâchoire. Ah. Oui. 1, 2, 3. Ah. 1, 2, 3. Ah. Ah. Oui. 1, 2, 3. Ah. 1, 2, 3. Ah. 3. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Abandon. Inspiration par la nez, expiration par la bouche.
Et nous revenons tout doucement en position initiale. De nouveau, les bras, les mains montent. Et nous montons sur les doigts de pied. Vérifiez votre ancrage, votre enracinement dans le corps ce matin. Inspiration. 1, 2, 3. Ah oui, je m'étire. Étirement des omoplates et du dos. 1, 2, 3. Ah, gratitude. 1, 2, 3. Et je regarde un point fixe en face. 1, 2, 3. Un, deux, trois, abandon. Inspiration. Un, deux, trois. Inspiration profonde. Un, deux, trois. Grande inspiration. 1, 2, 3, abandon. Et je monte. Les muscles fessiers sont contractés, les abdos. Je monte, je me raidis. Ah oui, étirement, jouissance de l'étirement. 1, 2, 3. Abandon. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Abandon. En inspiration. 1, 2, 3. Abandon. Et nous redescendons tout doucement la plante des pieds bien au sol. Et tout doucement, nous allons nous pencher en avant, chacun à son rythme, sans froisser de muscles, sans geste brusque. Tout doucement, je descends. Inspiration. 1, 2, 3. Et je m'abandonne. 1, 2, 3. Inspiration, expiration. Là où ça s'étire. 1, 2, 3. On continue. 1, 2, 3.
Et à chaque expire, ça s'abandonne. 1, 2, 3. Et tout doucement, depuis le bas du dos, nous allons remonter les bras en l'air, la conscience dans les pieds. Nous allons faire un AM. Sur Anatman, la tête en arrière si vous n'avez pas de problème de cervical. Ah, et je m'étire, la mâchoire s'étire aussi. Ah, oui, je dis oui à la vie, je permets, j'autorise, oui, je suis la vie. Ah, inspiration, 1, 2, 3. Ah, 1, 2, 3. Ah, 1, 2, 3. Ah, et les mains soutiennent le bas du dos quelques instants. 1, 2, 3. Ah oui, la jouissance de l'étirement. Ah. 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 Et nous revenons tout doucement en position verticale depuis le bas du dos. Les bras, les mains montent, montent, montent. Le coude droit se plie. Ah oui. Et je baille. Si je baille, je baille. Et le coude droit monte, monte, monte. C'est la détente. 1, 2, 3. Ah oui, jouissance de l'étirement, le coude droit monte, monte, monte. 1, 2, 3.
Ah, gratitude, inspiration. 1, 2, 3. Ah, oui, jouissance de l'étirement, je m'autorise la jouissance de l'étirement. Je permets, j'autorise. 1, 2, 3. Inspiration par le nez. Abandon, expiration par la bouche. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et le coude droit monte, monte, monte. Un, deux, trois. Et nous remontons les deux bras maintenant. Un, deux, trois. Et le coude gauche, étirement du côté gauche. Un, deux, trois. Ah, gratitude, oui. Ah. Et je m'étire. Et si je pleure, je pleure. Les émotions se libèrent aussi. Un, deux, trois. Ah, oui. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ah, gratitude. Un, deux, trois, abandon. 1, 2, 3. Ah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3, abandon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je relâche tout doucement. Ah, de nouveau en position verticale. La conscience dans les pieds, un ham dans les pieds. Ressentez la plante des pieds pendant le ham. Faire du hula hop. Le bassin va tourner. Nous faisons des ronds avec les chevilles, avec les genoux, avec le bassin. Inspiration. 1, 2, 3. Voilà, chaque jour un petit peu plus. Tout est bien souple. Déverrouillement du bassin. Inspiration. Les genoux légèrement fléchis, faites des grands ronds.
qui dépasse le tapis. 1, 2, 3. Ce n'est pas des petits ronds, c'est des grands ronds. 1, 2, 3. Et puis dans l'autre sens, en changeant de sens, 1, 2, 3. Voilà, ressentez la souplesse dans le bassin. C'est fluide, c'est souple, c'est entraîné. 1, 2, 3. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux, vérifiez si les cercles sont bien grands. Ici, ils dépassent le tapis à gauche et à droite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, nous revenons en position initiale, inspiration, 1, 2, 3, nous allons faire la posture du guerrier, avec le genou gauche qui va être plié, ressentez une horizontalité avec les mains, les bras, et tout doucement, bah, le corps bascule et descend, 1, 2, 3, restez bien droite, bien droit. Laissez la jambe gauche. Vous pouvez descendre le plus possible sans vous faire mal. Sentez un étirement dans les cuisses, dans l'entrejambe. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. La main droite est connectée en direction du sol et la main gauche en direction du ciel. Nous faisons une ligne verticale en plus maintenant. 1, 2, 3. Le bras gauche monte, monte, monte. Et le bras droit descend, descend, descend. Étirement de la colonne. Inspiration. Et nous pouvons faire un am comme ça. Le bras droit monte, monte, monte. Les deux bras en l'air. Une respiration. Jambes toujours fléchies. Une respiration. Nous allons faire un home. Le bras gauche descend, le bras gauche connecte le centre de la terre et la main droite monte, 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 étirement de la colonne, une respiration et un am. Et les bras en direction du sol, les deux mains, les deux bras en direction du sol, direction du centre de la terre, le genou est toujours plié, le genou gauche, et un am. Ah.
Et nous allons tourner sur la gauche pour faire des mouvements libres. Faites les mouvements dont vous avez envie, tout en gardant l'équilibre et en restant dans la posture du guerrier, de la guerrière. Ah ! Et votre corps vous dit quoi faire. Inspiration et expiration. N'hésitez pas à plier le genou. Ah ! Voilà, mouvement libre, faites ce que vous avez envie tout en restant dans la posture du guerrier. Les bras, les mains bougent. Laissez-vous être inspiré. Ah oui, recherchez la jouissance de l'étirement. Sentez bien dans les pieds, l'ancrage à la terre, connexion à Gaïa. Ah. Laissez-vous faire par votre yogi interne ou votre maître shiatsu interne ou votre maître qigong interne. 1, 2, 3. Voilà, et nous allons revenir en position initiale avec la posture du guerrier, mais c'est le genou droit maintenant. 1, 2, 3 qui se plie. Ah, gratitude. 1, 2, 3. Et nous étirons les mains à droite et à gauche. Ah, oui, ressentez, sans vous faire de mal, sans forcer, un étirement. Ah. Et la main droite descend, direction du sol, la main gauche, direction du ciel. Inspiration. 2, 3. Et je peux plier la jambe droite, ressentir ce que ça fait, cette verticalité, donc la cuisse qui monte et qui descend. Je suis bien droite, bien droit. 1, 2, 3. Et nous allons faire un AM. Les deux mains en l'air. Nous faire un OM. OM. Et la main gauche descend, connexion au sol par la main gauche. La main droite connectée au ciel, ressentez une verticalité. Et je monte la main en haut, je monte et je descends la main gauche en bas et un AM. Ah. La main
droite descend, les deux mains direction du sol, le dos bien droit, la tête bien en face, et un am vers le centre de la terre. Et nous nous tournons sur la droite. Et nous allons pouvoir bouger, laisser faire le maître Qigong inspiré qui va faire des mouvements canalisés. Une respiration. 1, 2, 3. Mouvement libre. En gardant la posture du guerrier. Les bras, les mains bougent. 1, 2, 3. Inspiration. Expiration. Ah. Inspiration profonde, expiration. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Puis nous revenons tout doucement en position initiale. 1, 2, 3. Un om d'amour pour toutes celles et ceux qui sont là.
1, 2, 3. Et nous allons nous asseoir. Étirement de la jambe droite. Et inspiration. 1, 2, 3. Et étirement de la jambe droite. Inspiration, expiration. Inspiration. Par le nez, expiration. Là où ça s'étire. Ah, gratitude. Oui, rechercher la jouissance de l'étirement. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Et nous allons passer à la jambe gauche. Inspiration. 1, 2, 3, abandon. Inspirez, expirez là où ça s'étire. Là où ça tire. Chaque jour un petit peu plus. 1, 2, 3. Oh, Shiva, Oh, Shakti, Oh, Shakti.
Inspiration, abandon. Et nous revenons en position assise. Inspiration. 1, 2, 3. En demi-lotus si possible. Talons sur le périnée. Et nous allons nous étirer en arrière. Ah, la mâchoire s'étire totalement. Et s'ouvre totalement, se relâche. Ah, ah, le bassin peut monter, monter, monter. 1, 2, 3. Ah, ah. 1, 2, 3. Et nous allons faire la planche. 1, 2, 3 pour ceux qui veulent la planche. Ah, le bassin monte. Oui, les abdos se contractent, les muscles fessiers se contractent. La tête en arrière si vous n'avez pas de problème de cervical. Et tout doucement, je monte, je monte, je monte en continu depuis le bassin. Ah oui. Et le corps s'étire, les épaules s'étirent, les bras s'étirent, les omoplates aussi s'étirent, ainsi que les muscles fessiers et les abdos, les cuisses. Je monte, je monte, je monte, c'est une super posture. 1, 2, 3. Ah oui, gratitude pour la jouissance. 1, 2, 3. Ah, et je m'abandonne à la posture. J'ai juste à inspirer par le nez et expirer par la bouche. Ah, et à monter le bassin. Oh.
1, 2, 3. Et je laisse les fesses redescendre tout doucement et nous revenons dans la position précédente. Ah, en demi-lotus, le talon qui touche le périnée. Ah, et je m'abandonne à cet étirement de la colonne. 1, 2, 3. Oui. Et tout doucement, la colonne revient, le bas du dos revient en position initiale. Inspiration. 1, 2, 3. Et nous allons enchaîner avec la grenouille. Petite grenouille. Inspiration. 1, 2, 3. Et oui, le yoga Anatman, le yoga qui met en forme, qui rend souple, une méditation avec le corps. Inspiration. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Une préparation aussi à l'éveil de Kundalini. 1, 2, 3. En toute sécurité. Plus le corps est fluide, souple, plus les énergies et la kundalini peuvent circuler en toute sécurité, sans blocage, sans douleur. Une respiration. 1, 2, 3. Ah oui, étirement. Étirement des omoplates, du dos, du cou. Regardez bien en face, la colonne bien droite. Ah. Et je m'abandonne à la posture. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Abandon. Inspirez, expirez, là où ça tire. Les pieds sont bien à plat au sol. 1, 2, 3. Et je m'abandonne. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Et c'est un yoga que nous ferons aussi sur la plage au Costa Rica pour celles et ceux qui auront envie de venir. De la même façon qu'en Inde, nous avons fait ce yoga aussi. Voilà, c'est à faire dans la nature, sur une plage, en forêt. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Plus je vais faire ce yoga, plus je vais amplifier tous mes sens, plus je vais ressentir la nature, plus je vais me rappeler que j'ai toujours été la nature. Une respiration. 1, 2, 3. Plus que 30 secondes. 1, 2, 3. Et je m'abandonne. Inspiration par le nez. 1, 2, 3. Voilà, nous allons nous mettre à quatre pattes pour tout doucement faire le chat. Le dos rond, le dos qui s'étire. Ah oui, gratitude. 1, 2, 3. Inspiration.
Ah oui. Ah, et je m'étire tout doucement, mouvement libre aussi. Le chat est mouvement libre pendant quelques minutes. 1, 2, 3. Ah, la mâchoire s'étire. Ah oui, ressentez la jouissance dans le bas du dos, dans le cou, dans le dos, partout. Ah, c'est le chat qui se fait du bien. Plus vos postures libres. Ah, ah, gratitude. 1, 2, 3. Chacun à son rythme, les postures qui vous plaisent. Nous avons 5 minutes de posture libre. Ah, ah, oui, gratitude. Recherchez la jouissance. Ah, osez l'expression de la jouissance, c'est permis ici. Ah, waouh, ah, c'est orgasmique ce matin. Mais où est donc Orgasmia? Une respiration. 1, 2, 3. Ah, oui, gratitude. 1, 2, 3. Ah, inspiration. 1, 2, 3, expiration. 1, 2, 3. Ah. Ah. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Ah. 1, 2, 3. Ah oui, ressentez le premier chakra, deuxième chakra. Je me connecte à la terre. Je permets, j'autorise. Mon corps connecté à Gaïa. Je permets, j'autorise. Je suis le corps. Je permets, j'autorise. Je suis Gaïa. Je permets, j'autorise. Je suis la vie. Je permets, j'autorise. Ah, ah oui, inspiration. 1, 2, 3. Ah. Et nous allons enchaîner avec sur le dos. Nous allons nous reposer sur le dos. Maintenant, tout doucement. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Quelques minutes de repos avant la prochaine étape. Satchidananda Parabrahma Purushottama Paramatman Shri Bhagavati Chidananda Parabrahma Purushottama
Purushottama Paramatma Shri Bhagavati. Une grande inspiration, un Om d'amour pour toutes celles et ceux qui sont là. Les bras peuvent s'étirer en arrière. Ah oui, pour celles et ceux qui ont envie, les bras peuvent s'étirer en arrière. Posture du nageur, de la nageuse, et le bassin monte, monte, monte. Ah oui, je me fais du bien. Étirement des cuisses, les abdos, les muscles fessiers, tout se contracte. Je suis en pleine forme. Ah oui. Gratitude de bien dormir et de faire du yoga. De piliers qui vont nous mettre en forme toute la journée pour jouer. Une respiration. 1, 2, 3. Ah, gratitude. Ah, inspiration. 1, 2, 3. Et je redescends. Alors, les réalisations du jour maintenant. De nouveau un Om d'amour. Allongé, les yeux fermés, je m'abandonne à cette méditation. À la réalisation du jour, il y a juste à écouter. Une respiration. 1, 2, 3. Et plus j'allais réaliser ma véritable nature, plus j'allais comprendre ce que je suis et pourquoi j'ai créé ce jeu vidéo. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais envie de m'expérimenter. J'avais envie de vivre pleinement. J'avais envie de vivre mes créations. J'étais ma propre création, incarnée dans ce corps physique, la conscience que je suis. J'avais envie de s'expérimenter. Une respiration. 1, 2, 3. Merci de ne pas parler, gratitude, de ne pas perturber. C'est important d'être dans le silence, c'est une méditation. Une respiration. 1, 2, 3. J'étais aussi incarné dans des vies de chats, de chiens, d'arbres. Toute l'existence était moi, et j'étais dans chaque chose. Quand je m'incarnais dans une vie d'arbre, je vivais ma vie d'arbre. Je poussais lentement, c'était bien. Une respiration. 1, 2, 3. Quand je m'incarnais dans ma vie de chat et de chien, je vivais une vie de chien et de chat. C'était bien aussi. Une respiration. 1, 2, 3. J'étais maintenant dans cette vie humaine. Ouh, je pleure, laissez pleurer. Qu'est-ce que j'allais pouvoir vivre dans cette vie humaine? Laissez pleurer. 1, 2, 3.
j'allais vivre une vie d'humain, bien sûr. Une inspiration. 1, 2, 3. Alors, je m'autorise à vivre une vie humaine. Je permets, j'autorise. Je vis pleinement cette belle vie humaine. Je permets, j'autorise. Je m'offre le meilleur dans cette vie. Je permets, j'autorise. Je me crée une vie sur mesure. Je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. Je me crée un territoire. Je permets, j'autorise. Et je crée dans mon territoire. Je permets, j'autorise. Je m'autorise des co-créations aussi. Je permets, j'autorise. 1, 2, 3. Alors, je me libère de tous les programmes qui m'empêchent de vivre ma vie comme je l'entends. Je permets, j'autorise. Je suis libre maintenant. Je permets, j'autorise. Je redéfinis ma vie. Je permets, j'autorise. Dans les moindres détails. Je permets, j'autorise. Je choisis mon environnement. Je permets, j'autorise. Je choisis le lieu. Je permets, j'autorise. Je choisis les gens, mes amis. Je permets, j'autorise. Je choisis mes chéris. Je permets, j'autorise. Je choisis tout dans les moindres détails. Je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. J'écoute ma guidance intérieure. Je permets, j'autorise. Et je me crée une vie de rêve. Je permets, j'autorise. J'élimine toutes les croyances et tous les programmes qui me font croire que je n'ai pas le droit. Je permets, j'autorise, j'ai le droit. Je m'autorise ce droit de créer ma vie de rêve. Je permets, j'autorise. Et je suis ma propre autorité maintenant. Je permets, j'autorise. Je me libère de toutes les autres autorités. Je permets, j'autorise. J'élimine les programmes et les croyances qui me font croire que je suis sous l'autorité de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. Je permets, j'autorise. Je suis le créateur, la créatrice de ma vie. Je permets, j'autorise. 1, 2, 3. Je m'autorise à concevoir des éco-villages. Je permets, j'autorise. Je m'autorise à créer Terre 2. Je permets, j'autorise. Et si je pleure, je pleure. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Merci de ne pas parler. Attitude de respecter. Je respecte le travail des autres. Je permets, j'autorise. 1, 2, 3. J'élimine tous les programmes qui me font perturber le travail des autres. Je permets, j'autorise. Et personne ne perturbe mon propre travail non plus. Je permets, j'autorise. Je fais respecter mon territoire. Je permets, j'autorise. Et je respecte le territoire des autres. Je permets, j'autorise. Respiration. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Je m'autorise à tout choisir dans ma vie. Je permets, j'autorise. Et je m'autorise à m'abandonner à tous les autres moi aussi. Je permets, j'autorise. Je m'autorise à m'abandonner à l'amour. Je permets, j'autorise. Et à l'amitié. Je permets, j'autorise. 1, 2, 3. J'élimine tous les programmes et les croyances qui me font croire que je dois souffrir. Je permets, j'autorise. Je n'ai pas besoin de souffrir pour évoluer. Je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. J'élimine tous les programmes et toutes les croyances qui me font croire
que je dois forcer. Je permets, j'autorise. Il n'y a rien à forcer. Je permets, j'autorise. Je ne me force pas. Je permets, j'autorise. 1, 2, 3. Je suis doux et douce avec moi. Je permets, j'autorise. J'accueille tout ce que je ressens et tout ce que je suis. Je permets, j'autorise. Et je fais la paix maintenant avec toutes mes parties. Je permets, j'autorise. Je suis la paix. Je permets, j'autorise. Et je manifeste la paix. Je permets, j'autorise. 1, 2, 3. Ouh, je pleure. C'est pleuré ici, ça pleure. Je pleure. 1, 2, 3. J'ose exprimer mes envies et mes ressentis. Je permets, j'autorise. Je m'autorise à jouer avec mes amis. Je permets, j'autorise. Je m'éveille et je me transforme avec des jeux non mentaux. Je permets, j'autorise. J'écoute mon corps physique. Je permets, j'autorise. Et je me transforme grâce à des mouvements de mon corps physique. Je permets, j'autorise. J'apprends avec le corps. Je permets, j'autorise. Et j'ai confiance dans mon corps physique. Je permets, j'autorise. 1, 2, 3. J'apprends avec les interactions avec les autres moi. Je permets, j'autorise. Et je ressens dans mon cœur l'unité avec tous les autres moi. Je permets, j'autorise. 1, 2, 3. J'accueille toutes les différences des autres moi. Je permets, j'autorise. J'élimine les programmes de juge critique en moi. Je permets, j'autorise. Je ne juge pas, je ne critique pas. Je permets, j'autorise. Mais j'exprime mes besoins et ce que je ressens. Je permets, j'autorise. Pas besoin de critiquer pour être. Je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. Et j'élimine tous les programmes qui me critiquent aussi. Je permets, j'autorise. J'active le discernement en moi. Je permets, j'autorise. Et j'active la sagesse en moi. Je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. Je reste aligné en permanence avec gentillesse et bienveillance. Je permets et j'autorise. Avec communication consciente et unité, je permets, j'autorise. Avec don de soi et abandon, je permets, j'autorise. Je développe ma capacité d'abandon. Je permets, j'autorise. 1, 2, 3. Gratitude de m'entraîner avec mes amis. Je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. Voilà, gratitude, merci beaucoup. Un om d'amour et nous allons passer à la partie initiation Anatman pour monter le taux vibratoire, éveiller la Kundalini, Shaktipat, ainsi que nettoyage des programmes. Une respiration, un om. Autre chose qui arrive, je définis dans les moindres détails ma nouvelle identité. Je permets, j'autorise. Je modifie mon identité actuelle si j'ai envie. Je permets, j'autorise. Et je crée en conscience tous les détails de mon identité. Je permets, j'autorise. J'incarne pleinement mon identité en conscience. Je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3.
J'élimine tous les programmes que je n'avais pas choisis en conscience. Je permets, j'autorise. J'élimine tous les programmes familiaux, sociétaux, etc. que je n'ai jamais choisis en conscience. Je permets, j'autorise. Je fais le ménage et je choisis chacun de mes programmes. Je permets, j'autorise. Et je m'autorise à éliminer tout ce dont je n'ai plus besoin. Je permets, j'autorise. Je suis administrateur, administratrice système de mon système maintenant. Je permets, j'autorise. Et je suis ma propre autorité. Je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. Je réalise totalement ma véritable nature. Je permets, j'autorise. Voilà, gratitude, merci. Nous allons passer à la partie initiation. Que celles et ceux qui ne sont pas encore passés, eh bien, ils s'installent. Une respiration. Gardez les yeux fermés pour rester en méditation et bénéficier des énergies, de la paix. Une grande inspiration. 1, 2, 3. Les yeux fermés, restez bien à l'intérieur, dans le cœur. On va faire un Om d'amour dans le cœur. Envoyez de l'amour à la personne qui passe. Respiration. 1, 2, 3. Alors, attendez, pardon. Inspiration profonde. Inspiration. Une grande inspiration. 1, 2, 3. Je me rappelle de ma véritable nature. Je permets, j'autorise. Je réalise ce que je suis. Je permets, j'autorise. Je m'abandonne à ce que je suis. Je permets, j'autorise. Je me rappelle que j'ai tout créé
incluant maintenant. Je permets, je t'autorise. Je vois ce que je suis dans chaque un et chaque une. Je permets, je t'autorise. Inspiration. 1, 2, 3. Je te donne tout ce que je suis. Je permets, je t'autorise. Et j'accueille tout ce que tu es. Je permets, je t'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. Un câlin. Alors, j'accueille avec mon cœur. Je permets, j'autorise. Je ressens dans mon cœur. Je permets, j'autorise. Je m'unifie aux autres moi par le cœur. Je permets, j'autorise. Et je ressens l'amour que je suis grâce aux autres. Je permets, j'autorise. Je me fais des câlins à travers les autres. Je permets, j'autorise. Je m'aime à travers les autres moi. Je permets, j'autorise. Oui, je m'aime à travers les autres moi. C'est beau. Je découvre de nouvelles couleurs à travers les autres moi. Mais j'autorise. J'élimine tous les programmes qui m'empêchent d'ouvrir mon cœur et de m'abandonner totalement à ce que je suis. Je permets, j'autorise. J'accepte de disparaître totalement dans amour. Je permets, j'autorise. Je t'aime. Une respiration. Je m'autorise à être amour. Je permets, j'autorise. Je m'autorise à mettre sur pause tous mes programmes pour laisser amour être amour. Je permets, j'autorise. Je laisse mon corps physique me guider. Je permets, j'autorise. Je laisse le mouvement de mon corps physique me guider. Je permets, j'autorise. J'utilise toutes mes intelligences. Je permets, j'autorise. L'intelligence émotionnelle. Je permets, j'autorise. L'intelligence corporelle. Je permets, j'autorise. L'intelligence corporelle. Je permets, j'autorise. Et aussi l'intelligence intellectuelle. Je permets, j'autorise. Je ne me refuse aucune intelligence. Ou je pleure, je permets, j'autorise. Et j'harmonise toutes mes intelligences. Je permets, j'autorise. Alors, il y a juste à écouter. J'ai besoin de comprendre et de voir. En m'abandonnant aux autres moi, j'allais comprendre de nouvelles formes d'intelligence et j'allais évoluer dans cette identité. Ou je pleure, je permets, j'autorise. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir que dans l'absolu, j'étais tout, mais que dans le relatif, je n'étais que cette identité. C'est drôle. Je permets, j'autorise. Et plus j'allais définir mon identité précisément dans cette vie, plus j'allais vivre quelque chose d'unique et de spécial, en fait. Je permets, j'autorise. Je reconnais que je suis spécial dans mon identité unique. Je permets, j'autorise. Et qu'en même temps, je suis tout à fait ordinaire comme tous les autres moi. Je permets, j'autorise. Et je suis le tout et aussi cette identité. Je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. Je m'autorise tous les paradoxes. Je permets, j'autorise. Je suis l'absolu et le relatif. Je permets, j'autorise. Je suis le relatif et l'absolu. Je permets, j'autorise. Je suis le blanc et le noir. Je permets, j'autorise. Je suis le chaud et le froid. Je permets, j'autorise. Je suis tout et son contraire. Je permets, j'autorise.
Je suis la non-dualité et la dualité. Je permets, j'autorise. Une inspiration. 1, 2, 3. T'avais une question? Ou une envie? Qu'est-ce que tu veux incarner sur Terre? Tout ce que tu disais. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a maintenant que tu voudrais concrètement? Incarner encore plus dans mes ressentis, dans mon corps physique. Ressentir plus mon corps. Vraiment incarner l'être physiquement. Alors, dans mes corps énergétiques. Alors, c'est pas incarner l'être, c'est incarner ce que je suis. Oui. Parce que je suis l'être. Oui. Où je pleure. Le ressentir vraiment. Alors, je ne mets pas l'être à l'extérieur de moi. Mmh. Je permets, j'autorise. Je, je suis l'être et je suis l'identité. Je permets, j'autorise. Oui. Je suis toutes mes parties. Je permets, j'autorise. Oui. Et comme tu disais, m'autoriser l'identité comme interface qui est très importante. Je m'oublie en fait. Alors, je ne m'oublie plus. Je permets, j'autorise. Je pense à moi maintenant. Je permets, j'autorise. Alors, qu'est-ce que je veux matérialiser dans cette vie, concrètement? Des partages amicaux. Non, mais plus concret encore. Dans la matière. Ah oui, j'avais besoin de créer quelque chose dans la matière, quelque chose de solide. Une maison, un foyer. Et des amis voisins. Un bébé peut-être. Oui. Tu vois, un truc concret, quoi. Oui. Au-delà des relations, il y a la matière. Alors, j'élimine tous les programmes qui me font sortir de la matière. Je permets, j'autorise. Merci de ne pas parler sur la mezzanine. Une respiration. 1, 2, 3. J'élimine tous les programmes qui me font fuir la matière. Je permets, j'autorise. J'accueille la matière et sa jouissance. Je permets, j'autorise. Je suis venu jouir de la vie. Je permets, j'autorise. Et je m'autorise à jouir de la vie. Je permets, j'autorise. Donc, caché derrière jouir de la vie, il y a les sens. Parce qu'il n'y a pas de jouissance sans les sens. Et donc, je suis obligé quelque part, donc ça c'est pour tout le groupe, de créer un environnement épanouissant et sensible. Pourquoi j'ai coupé les sens? Mais parce que la société est violente et pas adaptée à ma sensibilité. Mais c'est pas la société le problème. Le problème, c'est que je n'ai pas encore créé un univers sensible. Alors, je m'autorise à créer mon univers sensible. Je permets, j'autorise. Et je choisis chaque détail de mon éco-village, de mon univers sensible. Je permets, j'autorise. Je choisis les lieux, les gens, le climat, tout. Je permets, j'autorise. Je pleure, tu vois. C'est-à-dire que je m'autorise, c'est le thème de la journée, à créer dans les moindres détails, au millième de millimètre, tout dans ma vie, incluant la communication avec les autres, mais pas que. Ma maison, où j'habite, mon chéri, mon activité économique, plutôt que professionnelle, j'appellerais ça plutôt une activité économique. Ah oui, c'est beau comme nouveau concept, j'ai jamais entendu parler encore. Mais oui, je remplace l'activité professionnelle par l'activité économique. Je permets, j'autorise. C'est plus joli parce que l'économie, c'est beau, c'est l'économie. J'échange mes tomates contre des poireaux ou des carottes contre des choux. Tu vois, c'est l'économie, une économie entre nous. Et donc, j'ai le droit d'avoir une activité économique. Je m'autorise une activité économique. Voilà. Je crée des produits et services que je mets, que je donne à l'économie. Je permets, j'autorise. Une respiration. Je n'en fais pas une profession. Je permets, j'autorise. Hein, vous sentez, il y avait une prison dans la profession. Parce que j'étais docteur, j'étais machin, j'étais truc, mais c'est emprisonnant. Ouais. Je participe à l'économie sans m'emprisonner. Je permets, j'autorise. Voilà. Je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Voilà, l'étape d'après, c'est s'incarner et incarner mon paradis tel que je le conçois. Par contre, il fait un peu froid. Je ne sais pas si quelqu'un a ouvert la fenêtre, fermée. Il y a des courants d'air, non. Je sais pas. Une respiration. 1, 2, 3. Inspiration profonde.
Il y a une histoire de chair. Je suis la chair, je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Je suis la matière qui jouit de la matière, je permets. Je permets, j'autorise. J'autorise. J'incarne pleinement ce corps physique, je permets. Je permets, j'autorise. Voilà. Donc tu vois, le problème, c'était, je n'avais pas créé mon environnement parfait pour m'épanouir, et donc du coup, c'était difficile. Mais si je choisis le mode de communication et les gens et les lieux et tout, alors il n'y a aucune difficulté pour créer un endroit très épanouissant. Mais peut-être qu'il ressemble un peu à ce qui a commencé ici. Ouais. C'était un balbutiement, hein, ouais. Avec des valeurs, que chacun choisisse ses valeurs. Je m'autorise à choisir mes valeurs. Je permets, j'autorise. J'exprime mes valeurs. Je permets, j'autorise. J'incarne mes valeurs dans mon territoire. Je permets, j'autorise. Et je fais respecter mes valeurs dans mon territoire. Je permets, j'autorise. Et je m'autorise à créer des territoires copartagés avec les autres. Je permets, j'autorise. Voilà, c'est pas interdit non plus de co-créer des territoires avec les autres. Hein. Ça va se faire au fur et à mesure. Inspiration. 1, 2, 3. Ouh, je pleure. Gratitude. Oui, ben oui. C'est plus qu'un droit, c'est un peu comme un devoir vis-à-vis de soi, par amour de soi, vous voyez. Et ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme, hein. Ça a à voir avec de l'alignement avec ce que je veux vraiment dans mon cœur. Comme si la société nous avait toujours obligés à nous adapter à la société et aux autres. Mais c'est écrit où, ça ? Que je dois m'adapter à ce qui ne me convient pas, ou à la société qui ne me convient pas, ou à des trucs qui ne me conviennent pas, tu vois ? Alors que je pourrais très bien, dans la société et dans le monde actuel, créer mon village, en fait, tu vois ? Mon univers. Alors, on va dire, je crée mon univers dans l'univers. Je permets, j'autorise, car je suis moi aussi un univers. Je permets, j'autorise. Je manifeste mon univers dans l'univers. Je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. Je définis très précisément toutes les règles de mon univers. Je permets et j'autorise. Et je suis cohérent avec mon univers. Je permets, j'autorise. C'est comme un jeu vidéo où j'incarne mon univers dans le jeu vidéo pour voir ce que ça donne. Tu vois ? C'est comme une expérience, une expérimentation. Et j'ai le droit de modifier aussi mes règles, mes valeurs et tout au fur et à mesure, évidemment, de l'expérience. Parce que ce que je suis maintenant n'est pas ce que je vais être dans un an ou deux, tu vois. Oui, j'ose la sensualité, la sexualité aussi. Je permets, j'autorise, je m'autorise tout avec bienveillance et gentillesse. Je permets, j'autorise dans le respect de chacun. Je permets, j'autorise. Voilà, gratitude. Merci. Je t'aime. Gratitude d'être toi. Merci. Gratitude de se faire plein de câlins pour s'unifier tout au long de la semaine. Une respiration. 1, 2, 3. Donc, s'il y en a qui ne sont pas passés, il ne reste plus qu'aujourd'hui et demain. Hein. Donc, je ne sais pas combien il y en a, mais. Faites-vous connaître. Vous pouvez faire la queue. Faites une queue. Un om d'amour. Une grande inspiration. 1, 2, 3. Je réalise ma véritable nature.
Mais j'autorise. Alors, qu'est-ce que je voudrais ? Tu peux te tenir bien droit. Plus de jouissance dans mon corps. Tous les domaines. Ok, plus de connexion au corps physique. C'était comment le yoga ? Pourquoi j'ai pas fait tout ? J'ai des douleurs dans le corps et ça empêche de faire le yoga. Ah, je suis fatigué. Je dors ? Ah. Alors, j'élimine les programmes qui m'empêchent de dormir correctement. Je permets, j'autorise. Je dors correctement maintenant. J'autorise. Je m'abandonne à mon corps physique en priorité. Je permets, j'autorise. Je vis depuis le corps. Je permets, j'autorise. 1, 2, 3. Ah oui, j'élimine les programmes et les croyances qui me font croire que les femmes n'ont pas le droit de jouir avec leur corps. Je permets, j'autorise. Je suis une femme et j'ai le droit de jouir avec mon corps. Je permets, j'autorise. Pour les hommes, je m'autorise à jouir avec mon corps. Je permets, j'autorise. Inspiration. 1, 2, 3. Pourquoi je voudrais jouer avec mon corps, en fait ? J'en ai marre des douleurs, donc je voudrais arrêter d'avoir mal. J'ai mal où ? Ok, je m'autorise à avoir un kiné et un maître shiatsu. Je permets, j'autorise. Je ah, super, ça a aidé ? Non, pas trop. Pas trop ? Qu'est-ce que ça fait ? Et bah, la douleur derrière l'omoplate s'est déplacée au milieu du dos. Ah non, mais c'est parfait ça, c'est et parfait. Elle est revenue hier. Non, mais c'est très bien qu'elle se déplace. Ok, il y a besoin de plus de shiatsu. Ouais. Les douleurs se déplacent parce qu'en fait, justement, il y a des modifications. Ah. C'est très positif. Pourquoi je dis que ça s'est mal passé alors ? C'est surtout que ça s'est amplifié. Ouais, c'est en train de se reconfigurer en fait. Hein. Alors, je m'autorise la patience. Je permets. J'autorise. Je fais du yoga tous les jours. Je permets. J'autorise. Ben, moi aussi, il y a quelques années, j'avais mal à l'omoplate droite à cause de colère non vécue, selon deux ostéos. Et puis ben, finalement, en vivant la colère et puis en faisant du yoga, ben, j'ai plus mal nulle part, hein, du tout. Hein. Donc en fait, si je m'occupe de mon corps, et si j'entretiens entre guillemets la souplesse, ben, il n'y a aucun problème. Une respiration. 1, 2, 3. Il y a quelque chose qui dit que j'ai pas besoin de yoga pour m'éveiller, pour être bien dans mon corps. Ouh, je pleure, hein? C'est des programmes qui disent ça. Il y a des programmes qui disent que l'esprit, est supérieur à la matière. Hein? J'élimine les programmes qui croient que l'esprit est supérieur à la matière. Je permets, je te ris. Tu sais, c'est les petits programmes spirituels, là, qui dit, tout est mental, c'est faux, totalement faux. En fait, la matière, c'est le réel. Alors, nous allons dire, je m'abandonne au réel, à la réalité. Je permets, j'autorise. J'accueille mon corps et la réalité. Je permets, j'autorise. Je ne suis pas supérieur à la réalité. Je permets, j'autorise. Et je ne suis pas supérieur au corps physique. Je permets, j'autorise. Je reconnais toutes mes parties comme étant égales. Je permets, j'autorise. Ouh, je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et je passe beaucoup d'heures avec mon corps physique maintenant. Je permets, j'autorise. C'est pour ça que c'était génial hier ce qu'on a fait. Parce qu'il y avait autant de corps, et ça c'est vraiment l'apport de Samuel, autant de corps que de mental, tu vois. Et c'est vraiment l'actualité encore d'aujourd'hui, le mouvement du corps. C'est l'histoire du sac à dos, hein, avec Marie-Laure. Vous pouvez vraiment vivre le mouvement du corps. Il n'y a pas que le mental pour régler les trucs.
Et le corps, ça court-circuite le mental et ça ne ment pas. Donc, c'est supérieur, en fait. Hein. Ouh, je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Les actes psychologiques et le corps, c'est supérieur au mental. Parce que le mental peut truander, raconter des histoires spirituelles ou pas, bla, bla, bla. Mais le corps, il est fatigué ou il n'est pas fatigué. Il pleure ou il ne pleure pas. Tu vois, j'ai mal ou j'ai pas mal. Donc, si j'ai mal, c'est que j'ai un truc à écouter. Alors, j'écoute les douleurs de mon corps. Je permets, j'autorise. Donc, il y a des années, en fait, où je n'écoute pas mon corps. Tu vois, c'est ça le truc. Et donc, je paye maintenant les années où j'ai pas écouté mon corps. Donc, le yoga, c'est pas que pour maintenant. Hein. C'est pour dans 10 ans, dans 20 ans, vous serez bien content d'être souple. C'est pour pas être dans un fauteuil roulant, le yoga, en fait, hein, techniquement. Avec le shiatsu et aussi le tai chi, le qigong. C'est pour pas être dans un fauteuil roulant à terme. Hein. C'est une histoire d'investissement sur le futur, quelque part. Même si le futur n'existe pas, ce qui existe, c'est la loi de cause à effet. Et si je ne suis pas souple tous les jours, bah, la loi de cause à effet fait qu'à un moment, je serai tout raide. Je pourrai plus bouger, comme beaucoup de personnes âgées. Tu vois, j'aurai plein de douleurs. Il y en a plein, ils prennent plein de médicaments pour se rendre encore plus malade. Tu vois ? Alors l'idée, ça serait de vivre sans médicaments très longtemps. Une respiration. 1, 2, 3. Je prends conscience de l'intérêt du corps physique. Je permets, j'autorise à mon corps physique, je t'aime. Je prends soin de toi. Je suis amoureuse, amoureux de toi. Tu es ma priorité numéro 1. Je permets, j'autorise. 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 Okay. Pas numéro 2, hein, mais c'est toussé. C'est vraiment un moment très important pour beaucoup. Parce que s'éveiller, c'est pas dur. Hein, mais incarner dans le corps, ça demande un peu plus de temps et de travail. Réaliser, ok, je suis l'univers, c'est pas si compliqué. Mais comment je le vis au quotidien à chaque instant? Comment je l'honore et le célèbre, en fait? Est-ce que je suis dans le déni d'une partie de moi? C'est ça la question. Est-ce que je suis dans le déni du corps physique quand je mange n'importe quoi, quand je bois de l'alcool, quand je fume, que les poumons n'ont pas envie de fumer, tu vois? Quand je mange du gluten, ou je sais pas, des produits laitiers de vache, ou des trucs qui me font pas du bien, ou du sucre blanc. Est-ce que je suis dans le déni de moi, ou d'une partie de moi? C'est ça. Et l'amour va demander une grande exigence, finalement. Si j'aime mon corps, bah, je fais attention à ce que je mange, à ce que je respire. Je fais attention à tout, en fait. Parce que j'aime tout, tu vois. C'est juste ça, en fait. Une inspiration. 1, 2, 3. Voilà, gratitude. Merci, je t'aime. Donc, c'est opération corps physique, maintenant. Et que ça, hein. C'est la prochaine étape. Parce que le reste est déjà très connecté, en fait. Donc, j'ai déjà suffisamment, tu vois. C'est comme s'il y avait des couleurs, tu vois, il y a du bleu, du rouge, du vert. Bon, bah, j'ai déjà beaucoup de bleu et de vert, maintenant j'aurais du rouge, quoi. C'est juste ça. Ça veut pas dire que le rouge, il est meilleur ou moins bien que le bleu, mais j'ai besoin d'équilibrer, en fait. Tu vois? J'ai besoin de ce que je n'ai pas encore. C'est pour chacun d'entre nous. Oui. Alors, je reconnais ce qui me manque de vivre. Je permets, j'autorise et je décide de vivre ce que je n'ai pas encore vécu. Je permets, j'autorise et j'équilibre tous mes systèmes. Je permets, j'autorise. Voilà, gratitude. Je t'aime. Merci. Je t'aime. Gratitude. Une grande inspiration. C'est vraiment important, le corps physique, c'est la limite. Hein. Ne croyez pas que la limite, elle est mentale. Hein. Vous n'avez pas de limite mentale. Vous avez une limite corporelle dans cette dimension. Hein. Une respiration, les yeux fermés. 1, 2, 3. Et un home d'amour, gardez silence. Restez avec le silence.
Respiration. 1, 2, 3. Grande inspiration. Oh, pardon. Il est grand, hein? Une respiration. 1, 2, 3. Je réalise ce que je suis. Je réalise ma véritable nature. Je me rappelle de toutes mes vies où j'ai déjà réalisé ma véritable nature. Et si je pleure, je pleure. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Je retrouve toutes mes capacités de mes vies où j'ai réalisé ma véritable nature. Je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que je voudrais dans ma vie? Ok. Pourquoi? C'est vrai ça, pourquoi en fait? Pourquoi? Ouais. Entrer dans la compréhension de l'amour. Pourquoi je voudrais entrer dans la compréhension de l'amour? Ouh, je pleure. Ouais. Alors moi, ce que je ressens, c'est parce que je ne le vis pas pleinement. C'est-à-dire parce que je ne le vis pas pleinement, je voudrais le comprendre plus. Et donc, je compense en fait le manque de vie de l'amour ou de vie amoureuse par la compréhension, tu vois. Et j'utilise le supramental, donc aussi sur ce sujet. J'avais besoin de comprendre et de voir que c'est un sujet qui va être hors sujet pour le mental, en fait. C'est le sujet hors sujet pour le mental, ainsi d'ailleurs que le sujet émotionnel et ainsi que le sujet corporel. J'avais besoin de voir que j'ai quatre formes d'intelligence, hein, corporelle, corporelle, émotionnelle, hein, en plus de intellectuelle. Mais que chaque intelligence va se vivre séparément. Même s'il y a des liens et que l'intellect veut tout comprendre, c'est ok. Mais c'est surtout quelque chose que j'ai besoin de vivre en amitié et en amour. Ouh, je pleure. Ça va se vivre, je vais le vivre dans le cœur, pas dans la tête. Tu vois, il y a une tendance à vivre dans la tête un truc qui doit se vivre dans le cœur. Et puis, je vais vivre aussi dans la tête ce qui doit se vivre dans le corps, et puis dans la tête ce qui doit se vivre aussi au niveau émotionnel. Tu vois ou pas? Ça te parle? La tête qui est très avancée, entre guillemets, voudrait tout vivre depuis la tête parce que je suis à l'aise dans la tête, okay, ce qui est très bien pour construire plein de choses, mais c'est pas là que ça va se passer. Ouh, je pleure, tu sens, il y a une émotion, tu sens ou pas? Alors, avec moi, je m'autorise à vivre toutes les émotions maintenant. Je m'autorise à vivre des amitiés intenses. Je permets, j'autorise. Je m'autorise à vivre des histoires d'amour intenses et passionnelles. Je permets, j'autorise. Je m'autorise à en perdre la tête. Je permets, j'autorise. Comment tu te sens avec ça, en perdre la tête? C'est un coup monté, hein. C'est un coup monté par l'univers. C'est le système de modélisation de la réalité qui fait toujours au mieux, ce qui est parfait. Mais l'amour, ça va être apprendre à s'abandonner à l'inconnu. Ah, l'inconnu. Ouh, je pleure. Alors, l'idée, c'est ma relation à l'inconnu. Pourquoi j'ai une relation de méfiance vis-à-vis de l'inconnu? Ah, comment tu te sens?
Parce que j'ai fait de la gestion de risque. Je t'aime. Moi, j'ai fait de la sécurité au début, informatique, c'est un peu pareil. Je vois très bien ce que c'est. Gestion de risque, sécurité informatique. C'est drôle, une respiration. 1, 2, 3. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, j'avais besoin de voir et de comprendre en gérant le risque de perdre, je risque de ne pas vivre. Ouh, je pleure. Ah, touché. Poum. Comment tu te sens avec celle-là? Je m'autorise à perdre et à vivre. Je permets, j'autorise. J'avais besoin de voir que de toute façon, je ne perdrai rien vraiment. Voilà, je permets, j'autorise. Je comprends que je ne perdrai rien. Même si je perds de l'argent, même si je perds quelque chose, je perds un bien matériel, je perds une chérie, un chéri, en fait, je perds rien. Je gagne toujours une liberté. Je permets, j'autorise. La liberté d'être sans le sou, tu vois. La liberté d'être célibataire. C'est qu'une perspective, en fait. Tu vois? En fait, je gagne à tous les coups. Je gagne à tous les coups. Je permets, j'autorise. Donc là, c'est une forme de positivisme absolu. Je gagne à tous les coups. Je permets, j'autorise. Quand je perds, je gagne. Tu vois ou pas la mentalité? C'est un changement de paradigme. Et oui, tout ce que je perds, même si je perds mon portefeuille, bah, je gagne le droit de rejouer, de recréer de l'argent que j'ai perdu dans le portefeuille, tu vois. De refaire mon passeport. Qu'est-ce que je peux perdre? Je perds ma maison, tu vois. Bah, je gagne le droit d'en faire une, tu vois. Je perds une chérie. Ah, je gagne le droit d'en retrouver une autre. C'est toujours une question de perspective, en fait. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, paradoxalement, je ne m'empêche pas de faire au mieux. C'est pas ça. Je dis pas de prendre des risques inconsidérés et de faire n'importe quoi. Non, non, je dis pas ça. Je dis, et si je m'abandonnais à l'inconnu, alors la vie serait plus vivante, en fait. Comme en venant ici, il y a eu beaucoup de surprises, tu vois. Donc, il y a le cadre qui permet les surprises. Mais c'est important de s'accorder un espace de surprise, en fait. Voilà. Je crée en moi un espace inconnu. Je permets, je pleure là. Et je vais visiter cet espace inconnu. Je permets, j'autorise. Voilà, je m'autorise un espace qui reste inconnu en permanence. Je permets, j'autorise. Alors, il y a juste écouté. J'avais besoin de comprendre que si je n'avais pas d'espace inconnu en moi et dans ma vie, alors j'allais vraiment me faire chier et arrêter le jeu, quoi. Parce que ça serait trop chiant. Tu comprends ou pas? Imagine que tu saches tout le temps sur tout. Il n'y a plus de jeu, c'est fini, je m'emmerde. Parce que je sais à l'avance tout ce qui va se passer dans tous les domaines. C'est l'horreur, en fait. C'est le contraire de la vie, d'ailleurs. Pourquoi c'est intéressant, le gameplay de notre jeu vidéo? Hein, le gameplay, c'est le... Comment on traduit le gameplay? L'intérêt du jeu, en fait. Mais c'est parce que je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire, avec qui, quand, quoi. Je sais pas ce que je ferai tout à l'heure comme jeu. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire cet après-midi. Je sais pas, en fait. Parce que je sais pas, c'est intéressant. Si je sais tout, ça va devenir chiant. Ça m'empêche pas de maîtriser des techniques et des choses, hein. Mais équilibrer l'inconnu avec le connu. C'est ça le thème chez toi, par rapport au risque. C'est le connu qui fait 90%, tout doit être connu à 90%. Et ce que je te propose, c'est 50%. 50%, je sais, je connais le cadre. Tu vois, je sais qu'avec lui, avec elle, bah ça va être génial parce que je la sens bien. Mais ce qu'on va faire, on verra bien. Tu vois, c'est ça. C'est le cadre sécurisant que j'ai sélectionné avec mes trucs de risque, sachant que de toute façon, je vais pas tout prévoir, hein. Style crise économique ou crise sanitaire, ça, je peux pas prévoir. Tu vois, ou autre chose. Mais dans le cadre sécurisé que j'ai choisi, ok, je m'autorise l'inconnu et l'improvisation. Tu vois, il y a un côté très sage chez toi et un peu plus de folie. Alors, j'élimine tous les programmes qui m'empêchent d'être dingue et fou. Je permets, j'autorise. Je m'autorise la folie. Je permets, j'autorise.
Je m'autorise à me surprendre. Je permets. J'autorise. J'arrête d'être sage. Je permets. J'autorise. Je deviens exubérant. Je permets. J'autorise. Je m'exprime pleinement. Je permets. J'autorise. Oui! Je fais des blagues à tout le monde. Je permets. J'autorise. Je crée en moi un programme pour surprendre les autres. Je permets, j'autorise. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a ça en toi, mais il y a tout le truc. Non, mais il faut que je sois gentil. Il y a le truc directeur général, tiens, justement. Je suis sérieux, vous comprenez? Blablabla. Bla, bla. J'arrête d'être sérieux. Je permets, j'autorise. Parce que de toute façon, je vais être sérieux par nature, donc ça sert vraiment à rien d'en rajouter. C'est ça qui va être drôle, c'est à la fois d'être supra sérieux, mais en même temps supra drôle, fun et imprévisible. Je crée en moi un système où je suis imprévisible. C'est-à-dire sérieux mais supra fun. Tu vois ou pas? C'est ça la suite du film en fait. T'es au bon endroit pour ça. Hein? C'est parce que c'est l'enfant, l'ado qui avait vu, bah il faut que je sois sérieux pour plaire à papa, maman et aux autres. Parce que si je suis vraiment moi, je vais faire peur à tout le monde. Je m'autorise à faire peur. Je permets, j'autorise. Mais oui, c'est plus important d'être ce que je suis que de pas faire peur. Tu comprends ou pas? C'est vraiment important. Si je fais peur, c'est que les autres sont pas prêts pour moi. S'ils sont pas prêts pour moi, c'est bien qu'ils aient peur et qu'ils viennent pas. Tu comprends? C'est logique. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Il faut surtout pas qu'ils viennent m'encombrer. Si je leur fais peur, c'est parfait. Donc, si je suis trop gentil, ils me voient pas vraiment, en fait. Ils voient que la surface. Ah, il est sérieux, il est gentil, je peux avoir confiance. Ouais, mais ça, qu'est-ce que je m'emmerde avec ça? J'ai envie de fun, j'ai envie de surprendre, j'ai envie d'imprévu, d'aventure, de réaliser plein de choses avec plein de plantes, comme t'as choisi ça, c'est génial, gratitude. C'est ça l'acte psychomagique de dire je m'abandonne à la vie, à ce que je suis et mon système de décision, j'ai confiance en lui en fait. Ouh, je pleure. Tu vois, comment tu te sens avec tout ça? Il y a des choses qu'on lâchait, qu'est-ce qu'il a lâché? Les bras, le corps. Et la bonne nouvelle, c'est que nous ferons ces initiations avec les plantes sacrées au Costa Rica. J'ai reçu le protocole. Ça sera ce protocole-là, mais sous plantes sacrées. Ça va être très fun. Et parce qu'en fait, c'est quelque chose de très intense. Déjà sans plantes, hein. Mais ça va multiplier par 100 avec plantes. Donc ça va. Parce que c'est vrai que si, alors pas toi, hein, mais s'il y en a qui sont dans le mental ou dans la tête en faisant les initiations, bah ça peut être long à intégrer. Mais quand vous êtes tout ouvert dans la jungle à faire ce protocole, à cette initiation, ça va décaper. Hein. Parce que sous Aya, je réalise ma véritable nature. Oui, c'est bon. Oh, ça va être très fun. C'est les nouvelles technologies. Hein. C'est une technologie extrêmement puissante qui allie tout ce que j'ai vécu en Inde, partout, Amérique du Sud. C'est une combinaison de technologies, tu vois. Donc ça vous donne ici un aperçu, en fait, un amuse-bouche. Mais là, sachez que en venant en stage avec moi l'été ou là, les initiations, vous n'avez pas le truc complet, en fait. Parce que pour avoir le truc complet, il y a besoin d'un abandon plus complet, en fait. Donc ça sera les nouvelles technologies d'Amérique du Sud. Donc ça sera Costa Rica, mais il y aura certainement des trucs au Pérou aussi en février. Vous allez avoir plein de solutions avec des prix différents. Il y aura aussi des trucs moins chers au Pérou, je suis sûr. Voilà. Donc pour ceux qui peuvent pas venir au Costa Rica, et après il y aura une caravane, et il y aura la réalisation d'un centre d'éco-village pour celles et ceux qui veulent, venir voir Costa Rica. Une respiration. 1, 2, 3. Et ben voilà, câlin. Gratitude. Je t'aime, merci, merci, merci. Mmh. Mmh.
Ah oui, donc je m'autorise à vivre l'amour passionné. Je permets, j'autorise. Oui, parce que c'est ça la suite aussi. C'est pour compenser l'enfant sage, c'est ok, un peu de passion, je m'abandonne, un peu plus d'intensité dans la passion amoureuse et amicale, les deux. C'est voilà, kiffer. Parce que maintenant nous avons les outils. Si jamais ça se passe pas bien et que je souffre, il y aura juste à dire je ne suis pas celui qui souffre, tu vois. Donc du coup ça donne quand même une espèce de parachute. Je t'aime, tu vois. C'est important de vous abandonner pleinement à l'amour sans avoir peur de souffrir, parce que vous avez souffert dans le passé et le passé c'est le passé. Et dans le futur nous avons des technologies pour que ça soit moins souffrant les ruptures amoureuses. Donc allez-y franco. Il suffit de dire « je ne suis pas celui qui souffre ou celle qui souffre ». Donc, allez-y, tentez votre chance. Puisqu'il n'y a plus les programmes de peur après. Tu vois ? Je t'aime. Je t'aime. À bientôt. Gratitude. Gratitude à toutes celles et ceux qui ont envie d'aller en Amérique du Sud. N'hésitez pas à me contacter parce que je sens que je vais faire des choses sur mesure aussi. Hein ? Pour ceux et ceux qui ont des difficultés de budget ou de je sais pas quoi. Ah ben non, là, il faut arrêter. Il leur reste combien demain ? Oui ? Ok, tout le monde est passé ? Ah bon, on va pouvoir revenir. On a resté bien à l'intérieur. Et puis, on va revenir quand même. Allez. Oui, oui, parce qu'il y a un programme. Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent. Gratitude pour ces nouvelles initiations. C'est la dernière version de... Si vous me suivez depuis des années, c'est la dernière version. Ça s'appelle Initiation Anatman maintenant. C'est plus que Shaktipat. Hein. Il y a un combo avec les Je permets, j'autorise, plus tout. Donc c'est vivant. Hein. C'est jamais la même chose. Là, c'est vraiment la dernière version. Alors nous frottons les mains, nous pouvons ouvrir les yeux et nous allons pouvoir nous dire je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, je m'autorise à créer des produits et services sur mesure pour chacun. Je permets, j'autorise des produits sur mesure et des relations sur mesure avec chacun et chacune. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Allez, la photo? Une photo, ça vous dit une photo ici? Non? Pas de photo aujourd'hui? Non, vous voulez pas de photo? Non? Photo? Alors, ceux qui veulent une photo ici, parce que vous êtes lumineux, lumineuse. Alors, je les mettrai certainement sur Facebook, hein, je vous dis, mais ou ailleurs, sur YouTube, ou je sais pas. Je t'aime. Ah oui! Création du nous. Voilà, alors n'agrandissez pas le cadre, là, plutôt à l'intérieur ou devant, les petits devants. Alors, j'autorise, les bras en l'air, c'est mieux, voilà, ouais, génial, merci YouTube, merci à toutes celles et ceux qui sont à distance, au plaisir de se retrouver à Saint-Nexan ou en Amérique du Sud, c'est en train de se construire, je t'aime, gratitude. À bientôt, bon petit déjeuner. Câlin aussi pour ceux qui veulent. Merci à toutes celles et ceux qui sont là. Oui, mettez un petit mot. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise la création d'un centre éco-village en France et à l'étranger. Je permets, j'autorise ceux et celles qui sont intéressés. Eh bien, prenez contact avec nous par WhatsApp. Je permets, j'autorise. Tiens, je vais mettre le WhatsApp. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Je t'aime. Belle journée. Voilà, tous vos commentaires, je les mets en ligne. Gratitude. Merci, on était 18 sur YouTube aujourd'hui, c'est bien. Génial. Je permets, j'autorise. Je t'aime. Bientôt. À bientôt !
gratitude d'être la joie et l'amour ensemble.